أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، j'avais fait une vidéo un peu à la hâte en quelque sorte, parce que j'avais promis de faire cette vidéo concernant René Guenon et la critique en quelque sorte de sa doctrine, de sa philosophie, de ses croyances en quelque sorte. Et après un certain temps, je crois environ une vingtaine ou une trentaine de jours après sa publication, je l'ai réécouté, réentendu, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses inutiles à dire, d'autres franchement ne sont pas claires d'un point de vue donc critique et de l'objectivité, qui dénonce en quelque sorte ses égarements, etc. De toute façon, ce que je tiens à dire à propos de René Guenon, c'est un métaphysicien, comme tout le monde le sait, un occultiste, un spirit, parce qu'il a pratiqué le spiritisme et même la magie. Il a donc aussi dans sa vie, avant de se convertir au soufisme, était donc dans, sous le guide spirituel d'un hindouiste polythéiste mécréant, d'un certain Adi Shankara. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est j'ai lu à peu près, je crois, 5 à 6 ouvrages, et ce qui m'a intéressé, c'est de voir un peu où il venait voulait en venir avec donc sa méthodologie, donc ses approches, etc., de ce monde métaphysique, spirituel, etc. Sincèrement, je n'ai pas trouvé grand-chose qui m'ont en quelque sorte éveillé ou m'ont apporté de nouvelles sciences, de nouvelles connaissances. C'est que pratiquement, parce que moi, avant lui, j'ai lu Abu Hamid Ghazali, j'ai lu Ibn Arabi particulièrement, j'ai lu aussi même des parties, des ouvrages d'Ibn Sibayn, d'Ibn Afif Tlemcani, d'Abd Karim Al-Jili, j'ai lu Abd Ghani Naboulsi, j'ai lu Sharani, j'ai lu Abd Qadir Al-Jilani, j'ai lu Al-Bistami, j'ai lu beaucoup de ces philosophes donc musulmans, perses, arabes, andalous, etc. Et c'est pour ça peut-être que ce qu'il disait, c'est comme si je le savais d'un côté, ou bien, en quelque sorte, il ne concordait pas à mes compréhensions et nos compréhensions islamiques. Hein, islamiques. De toute façon, ce que j'ai relevé, et là c'est le point le plus important, c'est que tout d'abord, on dit que René Guenon s'est converti au soufisme, non pas à l'islam. Il y a même donc de ses connaissances, de ses relations, de ses correspondants qui l'attestent. C'est des intellectuels français qui l'attestent, qui attestent que René Guenon, jusqu'à sa mort, il a adhéré à la Tariq soufie, non pas à l'islam. De toute façon, cette question, on ne peut pas, c'est-à-dire la confirmer ou l'infirmer du fait que peut-être, hein, parce que il était dans le soufisme, il se pourrait qu'il pratiquait les 5 piliers de l'islam. La première chose qui m'a frappé dans ses approches, etc., c'est surtout donc sa compréhension de l'initiation et sa compréhension
donc de cette entité primordiale, de cette matrice universelle qui englobe tout, et ce monde réel, donc chaque élément de ce monde réel a une relation directe avec cette matrice primordiale, de laquelle, en quelque sorte, naissent même les traditions, les rites, les coutumes, les religions, les confessions, etc. Dans plusieurs de ses ouvrages, il ne cite pas Dieu. Dans plusieurs de ses ouvrages, il parle sans faire référence tout d'abord à la religion et sans évoquer ou dire que peut-être cette démarche, cette initiation, etc., peut être en quelque sorte l'œuvre du diable. Il ne cite pas trop le diable. En quelque sorte, les initiations bouddhistes, hindouistes ou taoïstes, ou même chrétiennes, etc., même lui, il ajoute que même la franc-maçonnerie, il ajoute que même la franc-maçonnerie est une initiation, etc. Et pire encore, j'ai entendu même de quelqu'un qui a étudié en profondeur ses ouvrages, et il a dit que même la franc-maçonnerie est une initiation divine. Subhanallah. La chose donc, c'est le fait tout simplement que lui, René Guénon, essayait de mettre sur le même piédestal donc tous les rites, toutes les initiations, etc., dans le monde, sans les donc mettre sous la balance et sous sous la jurisprudence, sous le jugement de la religion. Donc il croit que l'initiation est un moyen donc pour toutes les communautés, quelles qu'elles soient, de parvenir à Dieu, donc à ce principe primordial, etc. Là, c'est un grave également, parce que les religions sont venues depuis donc depuis donc les livres d'Abraham, la Torah, puis le Zabor de Sidna Daoud alayhi salam, puis l'Évangile, puis enfin le Coran, toutes donc ces enseignements religieux divins célestes sont venus pour enseigner à l'homme donc un code de vie et un code d'adoration. Donc comment connaître son Seigneur, son Créateur, et comment l'adorer. Alors lui, il fait référence même à des initiations qui ne sont pas en quelque sorte liées à des religions donc divines révélées, au moins celles du judaïsme ou du christianisme et celles de l'islam. Ceci est un premier point qui prouve qu'il s'est perdu et il est rentré dans des confusions, des amalgames, dans la question donc des chemins qui mènent à Dieu. Nous savons tous que le bouddhisme, par exemple, le but suprême, c'est le nirvana, et c'est la méthode qui est appliquée, c'est plutôt des efforts sur soi-même, des introspections, des méditations, etc., des exercices spirituels, etc., mais sans relation aucune avec la religion. Il n'est pas possible d'atteindre Dieu, de se rapprocher de Dieu, si on exerce quelque chose sans la rattacher à Dieu, ou sans que par cette méthode, ou cette démarche, ou cette initiation, on voudrait se rapprocher de lui. Ceci donc est un égarement, même s'il est donc si on pourrait éventuellement atteindre des paix intérieures, une certaine béatitude, etc.,
Ceci ne veut pas dire que ce bouddhiste ou cet hindouiste ou je ne sais pas, ce spiritualiste hors religion, hein, est agréé par Dieu ou est accepté par Dieu. Donc, quand on ne fait pas une démarche, une adoration, même quand on accomplit un rite, quand, s'il n'est pas fait pour Dieu, hein, on prend le rite par exemple de l'immolation d'un mouton le jour de l'Eid al-Kbir, celui-là c'est qu'on veut Dieu, on veut se rapprocher par donc cette offrande à Dieu par ce rite. Et d'ailleurs même avant de l'égorger, on dit Bismillah, puis Allahu Akbar, avec cette donc intention de l'offrir à Dieu. C'est pour se rapprocher de Dieu, comme l'a fait. D'ailleurs, c'est une sunna de Sidna Ibrahim alayhi salam que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a revivifié. Donc, tout ce qui est fait, même comme exercice spirituel, ou comme démarche, comme initiation, etc., qui n'ont pas, tout d'abord, qui n'ont pas de référence religieuse, ou plutôt qui ne suivent pas donc une orientation religieuse, qui ne se conforment pas à des règles et des lois religieuses, tout ça, toutes ces initiations sont bien des égarements, pour ne pas dire des mécréances, etc., ou des idolâtries parfois. Voici donc le premier point, et du fait qu'il a voulu mettre, par exemple, les initiations bouddhistes, hindouistes, etc., même chrétiennes, etc., ou même piédestales que l'islam, là c'est un très grave égarement. Nous savons que l'islam, c'est la seule religion qui est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est donc même est dans une confession hors de l'islam, qui n'est pas l'islam, il n'est pas agréé par Dieu, comme Dieu le dit. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلِنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce qui m'a intéressé, c'est surtout parce que moi je suis en train d'étudier depuis pratiquement maintenant 8 ans le soufisme. Et les dernières années, je me suis réservé à essayer de bien voir en profondeur la tariqa soufie, l'initiation soufie. Donc on a trouvé beaucoup de similitudes avec les pratiques hindouistes, bouddhistes, etc. Et d'ailleurs, nous avons senti à un moment donné que cette tariqa est empruntée de la démarche hindouiste ou bouddhiste. Et même qu'il y a des traces de philosophie grecque, de gnose chrétienne, etc. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Inch'Allah, Dieu va nous permettre de finaliser et d'arriver à des conclusions dans nos recherches concernant donc la tariqa soufie et la position de l'islam par rapport à ces tariqates comme elles sont actuellement effectuées dans plusieurs confréries. Ceci donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai remarqué que dans ces ouvrages, il cherchait plus à atteindre ce principe primordial, comme il l'appelle, mais je ne vois pas pourquoi il ne dit pas Dieu, ils n'ont pas Dieu, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi donner autre nom à quelque chose d'ailleurs qu'il imagine, son nom est Dieu. Il a déjà rien que cette façon de manière de s'exprimer est un égarement. Parce que celui qui ne reconnaît pas que l'origine et le principe est Dieu, en le nommant en tant que tel, ça veut dire que celui-là, il veut se cacher, il veut éviter de le dire, il ne veut pas nommer le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Puis après, et là, c'est aussi des choses qui m'ont interpellé, qui m'ont en quelque sorte bien indiqué la philosophie, la doctrine générale de René Guénon
n'est que pure donc spéculation sur des abstraits, et qui en plus de ça n'a rien apporté en quelque sorte comme preuve ou comme formule de ce monde métaphysique qui, donc, dont il parle, de ses initiations, de ses démarches, etc. etc. Par contre, ben, si on comparait ce qu'il a dit aux ouvrages d'Ibn Arabi, d'Abu Hamid al-Ghazali, ou même de Abd al-Qadir al-Jilani et bien d'autres, hein, c'est que ces philosophes, ces penseurs, ces métaphysiciens, ces poètes, ces grands mystiques musulmans ont donné des formules métaphysiques, ont dévoilé des choses, surtout Ibn Arabi, beaucoup de choses du monde occulte, du monde de l'inconnu. Et ce n'est pas le cas du tout, hein, de René Guénon. Ensuite, la chose aussi qui est frappante, c'est que lui, il croit qu'une initiation, par exemple, hein, et en plus de ça, donc il la prend en considération plus que les cinq piliers de l'islam, plus que la pratique de l'islam, et il lui donne plus d'importance que la pratique de l'islam. Ben, c'est, nous, dans nos recherches, c'est que on croit à cette donc spiritualité profonde, à cet ésotérisme, à ces stations suprêmes, élevées, spirituelles, qu'on peut atteindre par donc une adoration sincère, et, avec donc cette recherche permanente de Dieu, de la vérité, etc., de la haqqa. On peut l'atteindre, mais c'est dans les méthodes où il y a des égarements, des déviances, et même parfois donc des basculements dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans ces magies des sciences, des chiffres et des lettres, etc. C'est là où il faut mettre les garde-fous, mettre les barrières, essayer de bien connaître la véritable voie telle que tracée par tout d'abord Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et combien même parfois on pourrait par exemple accepter la tariqa par exemple Rahmaniya, qui elle, on dit qu'elle est quand même elle est en quelque sorte elle vient de la source Chabili, de Abu Hassan Chabili. Par exemple, si cette tariqa Rahmaniya, qu'on peut appeler comme ça, il faut lui ajouter Al-Muhammadiyya, Tariqa Rahmaniya Al-Muhammadiyya. Il faut ajouter aussi, par exemple, Tariqa Al-Qadiriyya Al-Muhammadiyya. C'est-à-dire que chacun de ces chiikhs, de ces walis, de ces saints, ont en quelque sorte déterminé, ou qu'ils ont été illuminés pour donc une démarche particulière, mais Mohammedien, ça veut dire qu'elle est puisée, qu'elle est tirée de la sunna de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle donc est affiliée au prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Uniquement, c'est dans ces cas-là où la tariqa éventuellement peut être acceptée. J'ai vu aussi qu'il je ne sais pas donner de l'importance à ce que les hommes ont créé comme rite, comme tradition, comme, hein, par rapport à ce qui est donc institué, décrété par Allah, le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Nous savons tous que dans l'histoire, les coutumes, les us et coutumes, les rites, même les valeurs dans la société, même les symboles ont été créés par les hommes. Et ces symboles, ces coutumes, ces traditions, etc., elles étaient à un moment donné païennes, et que le Coran, par exemple, il est venu pour donc éliminer beaucoup, les interdire, certains des interdire, etc., quand il y a de l'idolâtrie ou bien de l'associationnisme. Et donc, tout
toute tradition, toute coutume, même les valeurs, hein, même les valeurs, les qiyam, si elles ne se conforment pas aux valeurs islamiques, elles sont en quelque sorte rejetées. Rejetées, elles ne sont pas acceptées. Donc la religion est venue pour essayer de corriger la vie sociale, de corriger les croyances, etc., même les traditions qui étaient donc égarées. Et de ce fait, nous pouvons conclure tout simplement que toute tradition qui ne se conforme pas à, donc aux lois divines, qui ne se conforme pas à la démarche prophétique, en ce qui concerne donc ce but religieux, ce but d'adoration, de rapprochement de Dieu, elles sont rejetées, elles ne sont pas acceptées. Mais alors là, pourquoi trop en parler, trop faire de philosophie, etc., sur des choses qui n'ont pas de lien avec la religion, qui ne mènent pas à Dieu? Et même ce livre, dont, quand il a parlé de l'erreur spirit, même ce livre sur le symbolisme de la croix, bien d'autres, quand il a parlé de ces choses-là, c'est une vision de quelqu'un qui donc était à un moment donné, bien sûr, catholique, et il était donc égaré, hein. Une vision qui chrétienne, une vision datée, une vision d'ignorant de la vérité n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. C'est des illusions sataniques, c'est des jeux imaginaires que le diable crée dans la conscience. Et c'est que le fait qu'il n'a pas trop, cherché à comprendre tous les changements dans l'âme humaine, toutes les influences extérieures qui peuvent en quelque sorte changer l'âme, et surtout dans le domaine de l'imaginaire, de l'imagination, etc. Il fallait en quelque sorte voir ce domaine-là. Puis, quand on connaît que l'âme humaine ou la conscience peut nous mener très très loin et nous perdre, parce que quand on n'a pas de repère, quand on n'a pas un code de contrôle en quelque sorte, ou bien quelque chose qui nous fait revenir sur le droit chemin, quelque chose qui nous arrête à des moments de réflexion ou de pensée, parce qu'au-delà, il n'y a rien, il y a l'égarement. Attention, quand on n'a pas en quelque sorte en soi-même, ce policier intérieur qui vous rappelle certaines règles coraniques, islamiques, ou certaines lois divines, ou même en quelque sorte des mises en garde divines, hein, ou prophétiques, là l'être humain peut se perdre. Et en quelque sorte, on a conclu que sincèrement, sa doctrine, on ne dit pas qu'il n'y a pas des choses qui sont intéressantes, c'est sûr, mais en général, moi, c'est-à-dire je voulais faire une certaine comparaison avec l'esprit islamique, avec la loi islamique, avec ce qui peut être en quelque sorte accepté par l'islam, même dans ses raisonnements, dans sa doctrine, etc. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose vraiment à mettre sous le chapeau de la religion islamique. Ce que je voulais dire aujourd'hui à son propos. Toutefois, peut-être que nous allons encore élargir nos recherches, et on va essayer aussi de bien comprendre ce qu'il voulait absolument, hein,
surtout à travers cette notion de fraternité universelle, d'amour universel, d'humanisme, etc. Et de toute façon, ces questions ont été beaucoup, largement discutées, en quelque sorte, ça existe sous forme de millions peut-être d'ouvrages. Hein. Et la question aussi, même dans cette question d'amour universel, de fraternité universelle, etc., de l'humanisme, etc., il y a aussi de beaucoup à dire, parce que vous savez, quand l'homme ne prend pas comme référence le Coran et la Sunna, s'il agit uniquement par ses jugements, sans les confronter donc à ses références, franchement, il peut se perdre. Parce qu'il y a des jurisprudences, il y a des lois, il y a des barrières et qu'il faut faire dans la vie. Il faut les appliquer. Par exemple, quand Dieu le dit, il ne faut pas, par exemple, faire des mécréants ou des idolâtres des amis. Il ne faut pas en faire. Bon, il ne faut pas en faire des amis, il ne faut pas les prendre comme amis. C'est-à-dire commercer, avoir des relations commerciales avec même de bon voisinage avec eux, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'ils soient des amis. Là aussi, donc, dans cette perspective, il faut savoir comment essayer de parler de cette fraternité universelle. Comment aussi la conditionner ou mettre en quelque sorte des critères pour essayer de la réaliser entre tous les hommes, entre toutes les confessions, entre tous les peuples du monde, etc. Et là, c'est vraiment difficile, hein, c'est vraiment difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui, même en sociologie, échappe donc même au gouverneur, au chef, échappe aux dirigeants. Et dans la sociologie, il y a des choses qui naissent dans la société que personne ne peut en quelque sorte prévoir à l'avance. Et c'est ça donc la dynamique sociétale qui va sous la gestion divine et sous la justice divine qui en quelque sorte fait naître entre les hommes, dans les sociétés, des choses qui sont que la conséquence de leurs œuvres et de leurs actes. Et là, vraiment, c'est pratiquement impossible de maîtriser les peuples, les sociétés. Voilà, Inch'Allah, on a donné notre avis, quoique c'est un monde très vaste, difficile à cerner, discerner, mais toutefois, voici notre opinion, et moi-même, je crois que, franchement, il y a beaucoup d'autres philosophes à lire, avant, éventuellement, de lire René Guénon. Nous disons salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.